Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes bien à DNA Maraîchère, une chaîne qui promeut l'agriculture, une chaîne qui promeut l'élevage. Donc aujourd'hui, je vais vous regarder une astuce, comment faire pour pouvoir déplacer les lapins d'une ville à une autre. Parce que généralement, on a beau vouloir les clapier, mais on a très souvent des difficultés à déplacer les lapins d'une zone à une autre, parce que les lapins, ils sont très sensibles au déplacement, ils sont très très sensibles. Donc ici, je vais vous présenter quelles sont les astuces de déplacement des lapins d'une ville à une autre. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Donc là, je suis place à un lapin, un papillon français. Ça, c'est un papillon français. Ouais. On va le déplacer de la ville de Tcham pour la ville de Yaoundé. Donc, c'est un peu cela. Et le déplacement des lapins tient compte de plusieurs facteurs. L'aspect logement et l'aspect nutrition. Oui, dans l'aspect nutrition, il faut savoir comment gérer le stress des lapins pour qu'ils ne meurent pas durant le voyage. Quels sont les facteurs qui peuvent nuire au déplacement des lapins. Donc, je vais commencer par vous lister cela. Donc, le premier facteur étant donc le stress. Le stress, lorsque le lapin stresse, il peut mourir, il peut suffoquer durant, sur la route. Lorsqu'il stresse, il peut suffoquer. Ou même, il peut ne pas mourir, mais arriver à destination, il ne mange plus. Donc, quand un lapin est stressé, il ne mange plus jusqu'à mourir. Après 2, 3 jours, il va mourir. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le courant d'air. Donc, lorsque vous déplacez les lapins et ils font face à un courant d'air, cela va vraiment, vraiment les déranger et ils peuvent suffoquer sur la route. Donc là, je vais vous montrer un mini-box que j'ai construit pour le déplacement des lapins. Donc, si vous voyez ici, c'est fermé avec de la tôle, avec la tôle lisse, de part et d'autre. Mais de ce côté, c'est fait un grillage. Donc, on va vous faire regarder l'intérieur. Oui. Regardez l'intérieur. L'intérieur. Donc, ici, c'est l'intérieur du clapier. L'intérieur du clapier. Vous voyez, il y a des sujets à l'intérieur. Ouais. Elles sont là. C'est un peu cela. Oui, il faut. Oui. D'accord. Donc, je vais continuer la vidéo avec cette autre race de lapin. Ça, c'est la fauve de Bourgogne. Oui, c'est un peu cela. Donc, nous sommes toujours là pour à l'exposition de lapin d'une ville à une autre. C'est un peu cela. Si vous voyez le mini-box qui a été construit, il est construit pour résister au courant d'air. Oui, mais pour résister ici, parce que les côtés sont faits. Les côtés sont faits en tôle, mais l'intérieur, gage pour laisser le passage de l'air. Parce que en voulant lutter contre le courant d'air, on peut donc asphyxier les sujets. Et c'est pour ça que j'ai prévu cette partie d'aération pour pouvoir, on va dire quoi, alimenter les sujets en air. Donc, je vais continuer la vidéo en vous montrant comment je dois gérer le stress. Oh, elle est très très agitée. Ouais, elle est très très agitée. Donc, je vais vous expliquer comment gérer le stress. Pour gérer le stress, c'est simple. Il suffit de donner des antistress naturels au sujet, c'est-à-dire un aliment sucré. L'aliment sucré ici peut être de la carotte, de la patate douce. Oui, c'est un peu cela. Si vous regardez ici, je mets la main à l'intérieur, je vais vous retirer. Douce pour le voyage. Elles vont ronger ça durant la nuit et elles ne peuvent pas se très stresser parce que la patate étant sucrée, ça gère le stress durant le voyage. C'est un peu cela. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voyez ça, une dimension, les dimensions d'une loge de déplacement comme ça, elle est à d'une hauteur de 35 cm. Une largeur de 50 cm et une longueur de 60 cm. Et ici, dans une bosse comme celui-ci, on peut déplacer en fonction des âges.
on peut déplacer entre, si ce sont des costauds lapins comme ceux-ci, entre 3 et 6 lapins dans une loge comme ça pour le déplacement. Mais ça peut prendre jusqu'à 8 à 10 petits, 10 lapereaux, ouais, pour pouvoir les déplacer dans une loge comme celle-ci. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Et j'espère que vous avez bien retenu les deux races qui ont été présentées durant la vidéo. Il y avait la fauve de Bourgogne et le papillon français. Ouais, c'est plus ça, du profil de toutes les races. Oui, ici, ça c'est une femelle et celui-ci c'est le mâle. Donc, la fauve de Bourgogne ici et le papillon français là. Donc, il va accoupler pour donner un hybride. Donc, c'est pour pouvoir gérer la consanguinité chez les lapins. Oui, parce que c'est un aspect qui dérange beaucoup chez les lapins. Donc, je vais expliquer cela dans les prochaines vidéos. Mais je pense bien, merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à plus pour une autre édition. Nous sommes bien à la DNA maraîchère. Ciao, ciao.